Nadel Fadel. Un hôpital. Un hôpital. On a bombardé un hôpital à Gaza. Il y a quelques minutes. 200 personnes qu'on a tuées dans un bombardement d'un hôpital à Gaza. 200 personnes d'une shot, là. Drette de même. 200 personnes dans un hôpital qu'on a massacré. Au nom de quoi? Au nom de quoi? La légitime défense? Du droit d'Israël de se défendre? Le droit d'Israël de se défendre, c'est pas de larguer des bombes sur un hôpital, sur des infrastructures civiles. C'est pas le droit de massacrer plus de 1000 enfants. C'est pas le droit de tuer 3000 civils. C'est pas le droit de faire déplacer 2,2 millions de personnes vers le sud pour ensuite bombarder le sud. C'est pas le droit de couper le monde de l'électricité, d'eau et de médicaments. Le droit d'Israël de se défendre, il est réel, il est important qu'il soit respecté. Le Hamas, il faut le décapiter, c'est une organisation terroriste qu'il faut absolument sortir de là. Mais rien ne justifie qu'on puisse larguer une bombe sur un hôpital, tuant 200 personnes. Il n'y a rien qui justifie qu'on tue un enfant palestinien par 15 minutes. Ce balado dure une heure. À la fin de ce balado, il y aura 4 enfants de mort. 4 enfants morts d'ici la fin de cette émission. Pensez-y deux fois.